Vous vous appelez comment? J'habite à Paris. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Quel âge avez-vous? Je m'appelle Sophie. C'est bizarre. Vous habitez où? J'ai 16 ans. Je n'arrive pas à le croire. Vous ne savez même pas vous présenter. Vous n'êtes qu'une ignorante. Vous venez d'échouer à votre examen. Je vous donne une note de 0 sur 20. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Tu as l'air terrifiée. Je viens de faire un terrible rêve où les instituteurs me posent des questions et moi, je leur donne des réponses hors sujet. J'ai même eu un 0. Oh ma pauvre chérie, ne t'en fais pas. Ce n'est qu'un cauchemar. Tu vas réussir ton examen, et tu auras une excellente note. Il suffit de bien réviser, c'est tout. Oui maman, je l'espère. Va faire ta toilette, puis commence à réviser. Je vais t'apporter un verre de lait tiède. D'accord maman. Merci. Allô Sophie. Salut Charlotte, tu vas bien? Oui, pas mal, et toi? Tu es prête pour passer l'examen? Non, pas du tout. Je suis tellement stressée que j'ai commencé à faire des cauchemars. À chaque fois, je donne des réponses non adéquates aux questions. Et je finis par rater mon examen. Des cauchemars? Oh ma chère amie, arrête d'en faire tout un plat. Les instituteurs vont seulement te poser quelques questions simples, du genre: comment vous vous appelez-vous? Quel âge avez-vous? Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? Tu vois? Des questions faciles. Alors, ne te stresse pas. Tu as absolument raison. Je vais essayer de me calmer. Je sais répondre convenablement à toutes ces questions. Très bien. Alors, essaie de te détendre. Va regarder un film drôle, et on se voit demain, à l'école. Oui, c'est une bonne idée. Allez, à demain.
Salut Sophie. Bonjour Charlotte. Alors, tu te sens en forme ? Oui, ça va, merci. Et toi ? Et moi de même. Je te souhaite beaucoup de chance. Merci, à toi aussi. Mais, c'est la même institutrice qui m'a évaluée dans le rêve. Heureusement que, dans la réalité, elle n'est pas terrifiante. Je la trouve plutôt gentille. Bonjour chers élèves. Comme vous le savez, vous avez un examen oral, aujourd'hui. Et on commence avec Sophie. Oui madame. Venez au tableau, et présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sophie Dubois. J'ai 16 ans. Je suis née le 2 décembre 2006, à Paris. Il y a 4 membres dans ma famille. Mon père, ma mère, mon petit frère, et moi. Mon père s'appelle David Dubois. Il a 47 ans. Il est agent de police. Ma mère s'appelle Céline Dubois. Elle a 42 ans. Elle est pédiatre. Quant à mon petit frère, il vient d'avoir 5 ans. Son nom est Alex. Pendant mon temps libre, je fais du tennis. J'aime bien y jouer, avec mon père. Je fais aussi du yoga, du lundi au vendredi, à 6h du matin. Ça m'aide à rester, en bonne humeur, toute la journée. Les week-ends, je sors avec mes amis. On va souvent regarder des films au cinéma. J'habite dans un joli appartement, au centre de Paris avec ma famille. Dans notre maison, il y a 3 chambres à coucher, et un grand salon, avec un balcon. Dans ce dernier, il y a beaucoup de plantes. Il y a aussi une salle de bain, et une cuisine. Devant notre immeuble, il y a un grand parc. Le soir vers 18h, je vais au parc, pour faire une promenade avec ma mère. Voilà madame, c'est tout. Bravo Sophie. Vous avez été excellente. Vous venez de faire une merveilleuse présentation. Merci madame. J'ai beaucoup aimé votre présentation, au point de vous donner une note complète, 20 sur 20. Les enfants, vous devez suivre le même modèle.